À la pointe occidentale de l'Autriche, la région du Bregenzerwald a réussi le pari d'être une terre de tourisme tout en préservant son âme rurale et ses traditions. En témoigne la route du fromage. Au sein de cette association, fromagers, restaurateurs, commerçants et artisans partagent leur savoir-faire avec passion et enthousiasme. Partons ensemble à leur rencontre. Auteur de guides de randonnée, Rudolf Berchtel est un véritable amoureux de la région. Der Bregenzerwald ist ein Wanderparadies. Über 2000 Kilometer Wanderwege führen durch die gesamte Region. Dazu kommt noch die landschaftliche Vielfalt des Bregenzerwaldes. Le Bregenzerwald appartient au Land du Vorarlberg. Il compte 22 villages, quelques 30 000 habitants et autant de vaches, et s'étend sur 550 km². La route du fromage traverse la région sur 75 km. Notre randonnée gourmande débute dans le village de Schopernau, à 900 mètres d'altitude. Autrefois, les habitants y menaient une vie très frugale. Souvent, une soupe au gruau constituait l'essentiel de leur repas. Le souper des pauvres gens, comme on l'appelait alors. Pour Erwin Kasper, chef étoilé, cette soupe fait partie de l'histoire de la région et il tient à perpétuer cette tradition. Da gibt's eine alte, traditionelle Suppe, wo wieder an Bedeutung gewonnen hat. In der heutigen Zeit ist eine Einbrennsuppe. Das ist schon so eine alte Suppe, ich weiß gar nicht, wann man sie schon gemacht hat. Erwin Kasper mouille le roux d'eau et de vin rouge et poivre abondamment. Ensuite, il fait revenir des croutons de pain de seigle dans du beurre qui viendront généreusement agrémenter la soupe. Encore quelques dés de fromage d'alpage et un peu de ciboulette et la soupe est prête. Un plat d'hiver simple mais savoureux et surtout très nourrissant. De quoi nous donner des forces pour la suite de notre voyage. Prenons un peu de hauteur. Les télécabines nous emmènent en une vingtaine de minutes au Didamskopf, à 2090 mètres d'altitude. Là-haut, la vue est un véritable enchantement. En revanche, il faut près de 3h30 de marche pour venir à bout du sommet. Mais quelle récompense une fois arrivé au but! Plus de 300 sommets allemands, suisses, autrichiens et liechtensteinois s'offrent à notre regard. Un panorama d'une poésie rude, d'une beauté à couper le souffle. D'étranges silhouettes se détachent du paysage. Immobiles, elles semblent contempler les montagnes, tout auréolées de brume. Il s'agit de l'installation Horizon Field du sculpteur anglais Anthony Gormley. Éparpillés sur plus de 150 km², 100 personnages de plomb sont placés à exactement 2039 mètres d'altitude. À leur côté, on ne peut s'empêcher de trouver l'homme bien petit face à cette nature grandiose qui existait bien avant lui. En été, les hauteurs sont le domaine des troupeaux qui prennent leur quartier dans les pâturages d'altitude, accompagnés de leurs gardiens. Johannes Fink est l'un d'entre eux. Toute la belle saison, il s'occupe de l'une des fermes d'alpage. Une fois par semaine, ses frères et son père viennent lui apporter des provisions de la vallée. L'occasion de bavarder un peu et de prendre des nouvelles du village. Ces montagnes ont vu naître l'une des personnalités les plus importantes de la région. Franz Michael Felder, né en 1839 à Schopernau, dans une famille de la classe moyenne paysanne. Il est considéré comme le premier réformateur social du Vorarlberg. Le musée qui lui est consacré retrace le parcours de cet homme qui n'eut de cesse de vouloir améliorer les conditions sociales difficiles des habitants. Pour rompre le monopole économique des marchands de fromage, Felder créa la première coopérative agricole. Dans de nombreux écrits, Franz Michael Felder
développa sa critique de la société et ses utopies sociales. Il est également l'auteur de nombreux poèmes, bucoliques, souvent mystiques. L'écrivaine Birgit Ritzler se sent portée par cet héritage. Dans les gorges de l'Argonne, où Felder s'est si souvent promené, son esprit vagabonde. Wer hat hier gestapelt vor Millionen Jahren? Bücher, Dokumente, Hefte einer versteinerten Bibliothek. Zu Kreidezeiten beschriftet in helvetischer Sprache. Niemand spricht sie mehr. Die Schrift ist abgewaschen. In Serpentinen führt der Pfad aufwärts durch den Wald. In meinen Ohren pocht das Herz. Ruhe umgibt mich. Stille. Dort, wo der Weg aus dem Wald hinausführt, tut sich Neues auf. Sonnenflut und warme Winde, freier Blick auf die Berge. Das ist doch gut, gell? So ein Dorfbrunnen ist schon praktisch. Damals Kinder gebadet. Elle aussi communie avec la nature. Anne-Marie Baer nous accueille à Oldamos, un jardin de découverte sur les hauteurs de Schopernau. Cet herboriste chevronné connaît les secrets des plantes et l'art de confectionner élixirs, teintures et autres remèdes. Avec l'aide de 14 passionnés, Anne-Marie dispense son savoir lors de visites guidées et d'ateliers. Quelques 250 plantes aromatiques et médicinales prospèrent dans son jardin, à l'abri du vent. Parmi toutes les herbes qu'Anne-Marie cultive, une en particulier a sa préférence. Die Zitronenmelisse ist ein wunderbares Sommerheilkraut. Sie hat eine sehr entspannende, beruhigende Wirkung. Sie wirkt entspannend auf den Magen, auf das Herz und auch auf unsere Nerven. Und dann schmeckt sie wunderbar beim Kochen. Man kann sie ganz gut zum Zucchini-Gemüse verwenden, dann auch bei verschiedenen Früchten. Besonders lecker schmeckt sie zusammen mit Erdbeeren, fein geschnitten unter Erdbeeren gemischt. Mais il est temps pour nous de quitter ce petit coin de paradis. Un dernier coup d'œil sur le Canisflou, l'un des sommets les plus spectaculaires de la région de Schopernau, et nous reprenons notre route. Une vingtaine de kilomètres plus loin, en direction du sud, nous arrivons à l'alpage de Fützental, perdu dans les nuages. Cette ferme fromagère est exploitée depuis plus de 30 ans par la famille Meusburger. Ils passent tout l'été sur l'alpage. Cette année, le travail ne manque pas. Leur petite fille est venue leur prêter main forte. Pour fabriquer son fromage, Irmgard Meusburger n'utilise en aucun cas du lait d'ensilage. C'est l'herbe fraîche de l'alpage qui donnera au fromage tout son caractère et son arôme si particulier. Les meules sont salées et brossées tous les jours. Ensuite, il faut laisser faire le temps. Plus un fromage sera affiné, plus son goût sera corsé et savoureux. Irmgard produit une meule de fromage par jour. Cette meule peut peser jusqu'à 39 kilos. Après avoir soutiré le caillet du chaudron, le petit lait est porté à ébullition jusqu'à ce que de petits flocons apparaissent à la surface. On obtient alors un breuvage extrêmement nourrissant et revigorant, au goût étonnamment neutre, la Zenzuppe. Enfin, une autre spécialité du Bregenzerwald, c'est le Xig, un chocolat sans une once de cacao.
Il est fabriqué à partir de petits laits caramélisés, après une très longue ébullition. Une friandise peu ordinaire, mais qui ravit les becs sucrés de l'alpage. Un peu plus bas se trouve le hameau de Schönenbach. L'alpage intermédiaire est un endroit où les randonneurs aiment se reposer. L'auberge Egender est un point de ralliement gourmand très apprécié. Les caisses Knöpfl, les pâtes fraîches au fromage du chef Bruno Ratz, ont fait la réputation du lieu. C'est un peu le plat national du Vorarlberg. Le chef nous explique la recette. Also wir nehmen jetzt ein Kilo Mehl und da 11 Eier dazu. Nur Wasser, kein Milch, kein Soda, ganz normal fließendes Wasser. Und den nur schlampig unterheben eigentlich. So, der Teig wird nicht, lässt man nicht raschen, den tun wir sofort weiterverarbeiten, sonst wird er zäh. De bonnes Käsknöpfle sont de petite taille, un peu humides et surtout croquantes. Tout un art que Bruno maîtrise à la perfection. Also die meisten lassen es aufkochen. Ich mache das nicht. Ich nehme sie gleich raus, weil die ersten ziehen dann durch unten. Und die letzten, die köchelt das Wasser eh schon. Und dann bleiben sie schön knackig. Dann wird es jetzt so ein Mischmasch. Bruno ajoute aux pâtes un mélange bien particulier de fromage à différents stades d'affinage. Et bien entendu, seul le fromage du Bregenzerwald trouve grâce à ses yeux. S'il vient de l'alpage de Fützental ou de Schönenbach, c'est encore mieux. Mais il ne nous en dira pas plus à ce sujet. Le mieux, c'est encore de venir déguster les caisses Knöpfl sur place, dans l'atmosphère chaleureuse et sympathique de l'auberge Egender. Nous nous rendons à présent à Schwarzenberg, à 25 km de là. Chaque été, quatuors à cordes et récitals de piano viennent se mêler aux cloches des vaches. Ce petit village pittoresque accueille en effet le plus grand festival du monde dédié à Schubert, la Schubertiade. Au beau milieu des habitations à bardeaux classées monuments historiques, le musée Angelika Kaufmann mérite qu'on s'y attarde. Issue d'une famille modeste de la région, la peintre Angelika Kaufmann a fait une carrière éblouissante de portraitiste et de peintre d'histoire. Quelques-unes de ses œuvres ornent les murs de l'église paroissiale de Schwarzenberg. Schwarzenberg est décidément une ville au rayonnement culturel très important. Le poète allemand Eduard Mörick avait l'habitude de venir séjourner l'été dans le Bregenzerwald. Le restaurant traditionnel Hirschen était l'une de ses adresses favorites. À quelques pas du Hirschen, une petite fromagerie fait partie des étapes incontournables de la route du fromage. À première vue, il s'agit d'une épicerie, tout ce qu'il y a de plus ordinaire. C'est à la cave que la magie opère. La propriétaire, Maria Fögel, est considérée comme la spécialiste du fromage dans le Bregenzerwald. Sehen Sie, der ist eineinhalb Jahre alt. Möchten Sie ein bisschen eine Probe? Und ich glaube, den können wir jetzt nehmen. Sehen Sie, da hört man schon, dass er schöne Löcher hat. Ja, bestens. An den Löchern, da sehen Sie, da stimmt die Reifung. Und das ist halt so wichtig, auch das Auge ist mit. Und auch wenn die Reifung gut ist, ist der Käse auch besser. Und ich sage immer, ein guter Senner, wo Rohmilchkäse erzeugt, ist fast ein Künstler. À quelques kilomètres de Schwarzenberg, la petite ville d'Andelsbourg est le point de départ de nombreux chemins de randonnée autrement plus sportifs. L'un d'entre eux fait partie d'une série de sentiers à thème, intitulée « Les chemins vers l'eau ». Il mène à la centrale hydroélectrique d'Andelsbourg.
construite en 1908 sous la monarchie austro-hongroise, est toujours en service aujourd'hui. Le sentier est jalonné de petites installations hydrothérapeutiques. Quelques pas de cigogne dans un bassin de marche, et nous voilà frais et dispo pour continuer la balade. Prochaine étape, l'exploitation d'Ingo Metzler à Aigue. Depuis 20 ans, Ingo élève des vaches laitières et des chèvres, fabrique du fromage et divers produits laitiers. Mais ce n'est pas tout. Avec le petit lait, issu de la fabrication du fromage, il produit toute une gamme de boissons et de soins cosmétiques naturels, riches en protéines et en vitamine B. Enfin, Ingo est également le fondateur de la première école du fromage du Bregenzerwald. Wenn man jetzt da reinschaut, dann sieht man, dass sich eine gelb-grüne Flüssigkeit bereits zu bilden beginnt, die man Volvie nennt. Das ist die Molke. Wenn man die Masse jetzt da anschaut, so ist die ganz weich verletzlich. Immer tiefer gehen, so dass die gesamte Masse dann in Bewegung kommt. Je mehr man das bewegt, man sieht es jetzt da eh schon, je größer die Bruchstücke, desto weicher bleibt der Käse. En 4 heures, les fromagers en herbe ont pour mission de fabriquer un fromage à l'ancienne. Et à la fin du stage, chacun peut emporter son fromage à la maison, son diplôme de fromager en poche. Wow. Perfect. Käse. De la ferme au fourneau. À Aigues, l'ancien restaurant traditionnel Engel, dont les parties les plus anciennes datent de plus de 300 ans, abrite aujourd'hui l'école de cuisine Frau Kaufmann. Frau Kaufmann, la voici, une cuisinière de talent qui transmet son savoir-faire et ses valeurs avec passion et engagement. Aujourd'hui, elle s'attaque à un défi de taille, apprendre à ses 5 gaillards une recette traditionnelle autrichienne. Accordéon contre rouleau à pâtisserie, tuba contre tablier. Le sympathique groupe de musique folklorique est fin prêt. Also Jungs, heute gibt's Krautkrapfen. Krautkrapfen mit Kraut und Speck und dazu gibt's ein Apfelkompott. Okay, wir starten mit dem Ausweichen des Nudelteiges. Wer möchte das machen? Jawohl, und rein. Und den sollte halt alle größer werden, weißt du? Son credo? Tout le monde peut cuisiner tant que le plaisir est de la partie. Pour ses recettes, elle privilégie des produits frais, de saison et de la région. Des ingrédients simples, mais savoureux. À l'école de cuisine, les élèves apprennent une cuisine terrienne aux recettes ancestrales. D'après Karin Kaufmann, il faut savoir laisser parler son intuition et sa sensibilité culinaire. Und den muss man die ganz eng hineinsetzen in die Pfanne, damit sie nicht auseinanderfallen. Les roulés de choucroute doivent cuire à couvert pendant 3/4 d'heure environ, jusqu'à ce que tout le bouillon soit évaporé. Magnifique! La cuisine autrichienne a de beaux jours devant elle. Bravo les garçons. À 10 km de Aigues, nous arrivons à la ferme d'alpage Andlis Brongen. Cela fait plusieurs années qu'avec sa famille, Imelda Geyser vient s'occuper de l'exploitation durant l'été. Outre les 35 vaches venues brouter l'herbe tendre des hauteurs, la ferme compte également parmi ses hôtes des porcs, des chèvres et un taureau. Après une journée de dur labeur, Imelda aime confectionner un Riebel, un plat typique du Vorarlberg. Elle commence par délayer de la crème dans de l'eau tiède, qu'elle verse ensuite dans une sauteuse. À feu doux, elle ajoute de la semoule de blé ou de maïs et mélange lentement la préparation jusqu'à ce qu'elle épaississe. Dass es ganz flaumig wird, muss immer gestochert werden und immer ein bisschen Butter dazu. Sonst gibt es Klumpen und dann wird es nicht fein. Also es dauert jetzt sicher noch eine halbe Stunde und dann ist es fertig. Aber das Wichtigste ist eben das immer Stochern. Aber ich bin jetzt ganz stolz und ich sehe, dass das wirklich so wunderbar wie kaum einmal geworden ist. Und ich freue mich, dass ich das so geschafft habe. Aujourd'hui, Rudolf Berchtel, avec qui nous avions débuté cette balade,
est venu faire un petit tour à l'alpage, juste à l'heure pour déguster le ribel. Ici, les randonneurs de passage sont toujours les bienvenus. Le ribel s'apprécie sucré avec de la compote de pommes ou salé avec un bon morceau de fromage d'alpage. C'est un plat revigorant et chaleureux. Mais pour Imelda et sa famille, c'est avant tout un moment de partage. Le Bregenzerwald compte également une attraction à ne manquer sous aucun prétexte, le Velderbenle, un petit train historique entretenu avec soin. Autrefois, il emmenait les voyageurs jusqu'à Lingenau. C'est justement à Lingenau que le sculpteur Hanno Metzler a choisi de s'établir. Il y vit depuis plus de 20 ans. Entre-temps, il a acquis une grande renommée dans la région. Le Bregenzer Ahr, principal cours d'eau du Bregenzerwald, lui fournit son matériau favori, le calcaire siliceux. Une roche à la texture dense et compacte, qui peut être polie comme du marbre. Le toucher, le contact, est une des thématiques à laquelle il aime se frotter. Ich habe das Tor so breit gemacht wie meine Schulter. So muss man es dann berühren, wenn man durchgeht. Le long de la ligne du Velderbenle, l'art se fond dans la nature brute. Nous sommes sur le sentier de sculpture, dont Hanno Metzler est en partie l'initiateur. 9 artistes d'horizons différents ont eu pour mission de se choisir un arbre et de le travailler à leur manière, de le modeler selon leur inspiration, sans autre limite que le matériau lui-même. Des sculptures qui retourneront à la nature quand le temps aura fait son œuvre. Un peu plus loin, nos pas nous mènent vers une véritable merveille de la nature. Le long de la rivière Zubersaar s'étend l'une des tuffières les plus impressionnantes d'Europe. L'eau coule sur la roche en petites rigoles, formant un baldaquin et des rideaux de concrétion. L'eau se transforme en roche, le tuf. Gabi Oesterle, guide de randonnée et pédagogue de la nature, aime venir se ressourcer ici. Wenn ich allein unterwegs bin, da empfinde ich die Schöpfung. Es tut gut, hier auf dem Weg zu sein, besonders die Zeit zu erfahren. Was ist Zeit? Wo bin ich? Wo stehe ich? Das ist hier sehr gut spürbar und macht sich deutlich in der Ruhe, die auf einem wirkt, wenn man es zulässt. Also mir geht es so, dass das Wasser mich so belebt und zugleich ruhig stimmt. Es ist ein wunderschöner Meditationskraftplatz. Nous traversons une lande humide et marécageuse, à la végétation très caractéristique. C'est encore Gabi Strahammer, chef au restaurant Schulhus à Krumbach, qui nous en parle le mieux. Das sind jetzt Preiselbeeren. Wir kriegen da herunten nicht wahnsinnig viele Preiselbeeren, aber schöne Qualität und sehr früh. Und aus denen mache ich jetzt einen Saft. Ich tue den entsaften, dampfentsaften. Und das ist ein Bestandteil von unserer Limonade. Wir machen da Moorlimonade mit verschiedenen Kräutern und Beeren und das ist ein Bestandteil. Und das ist ein sehr wichtiger Bestandteil, weil der mir die Limonade sehr gut haltbar macht. Le restaurant de Gabi est une ancienne école qu'elle a rachetée et convertie en temple de la gastronomie. C'est l'une des chefs les plus innovantes et les plus créatives du Bregenzerwald, et sans doute l'une des plus perfectionnistes. Elle remanie en permanence ses recettes, affine les choix des ingrédients, marie les goûts avec une justesse étonnante. Petit coup de projecteur sur les spécialités de la maison. Rouleau d'ortie, au fromage de chèvre et au capre.
ravioles farcies au fromage d'alpage et de feuilles de consoude. Et enfin, la glace des marais, composée de crème aigre, de jus de citron et de sirop d'érelle rouge. Les marais de Krumbach laissent un souvenir inoubliable à ceux qui savent les observer et les respecter. Longtemps, l'homme a voulu assécher les zones marécageuses, difficiles à exploiter et réputées insalubres. L'impact sur la faune et la flore, mais aussi sur le cycle de l'eau, est aujourd'hui considérable. À Krumbach, la valeur de ce paysage culturel a heureusement été reconnue à temps. Notre balade touche à sa fin, mais nous ne pouvons quitter le Bregenzerwald sans aller visiter la Juppenwerkstatt, l'atelier de costumes traditionnels à Riffenberg. Ici, le visiteur découvre toutes les étapes de fabrication de la Juppe, le costume féminin du Bregenzerwald par excellence. L'atelier de costumes propose des cours de confection. Une partie du bâtiment abrite également un musée. C'est l'un des costumes européens les plus anciens et aussi l'un des plus raffinés. Chacune des robes fabriquées ici est un exemplaire unique. Et seule une Wälderin, une habitante du Bregenzerwald, a le droit de porter cette tenue ancestrale. Si la Juppe continue d'être fabriquée et portée dans la région, c'est sans doute un peu grâce à Martina Metzler, professeure d'art textile passionnée. Die Juppe ist für mich etwas ganz Wichtiges. Es ist für eine Bregenzer Wälderin eigentlich Heimat. Und unsere Juppe hat eine sehr, sehr lange Tradition. Sie stammt aus der spanischen Mode, 15. bis 16. Jahrhundert. Und sie wird noch so getragen, wie es eigentlich schon früher war. Und das ist eben das Schöne, dass die Frauen ganz stolz sind und dass auch junge Mädchen die Juppe wieder vermehrt tragen. La route du fromage du Bregenzerwald a décidément beaucoup à offrir. Alors, à vos chaussures et partez vous aussi à la découverte de cette région d'Autriche dont l'hospitalité n'est plus à prouver.